Golondele fait l'idiot à Paris lors de l'ouverture des Jeux Olympiques dans une pirogue. Hugues Golondele, ministre de tous les échecs sportifs du régime du dictateur Denis Sassou Nguesso, est devenu la risée des réseaux sociaux. Une scène étrange et intrigante. Croyant être au cœur des applaudissements du public, Hugues Golondele s'est livré à un spectacle du moins réjouissant. Il s'est mis à hurler comme un singe venu du fleuve de la Lima, découvrant les rives de la Seine, à Paris. Une scène troublante et choquante. Contrairement aux autres délégations africaines qui ont brillé par la mise en avant de leurs traditions et cultures, Hugues Golondele, dit Hugues le Golden Boy, a brillé par la médiocrité et l'échec, puisque ce dernier s'est permis de louer un canon de sauvetage pour brandir le drapeau congolais avec quelques membres de sa famille biologique. Quelle médiocrité!